coucou, nouvelle vidéo Shein. Et ben ça fait un moment, j'ai reçu 8 vêtements. Alors il s'agit bien d'une collaboration. D'ailleurs, avant que j'oublie, si jamais dans cette vidéo même vous avez envie de commander, Caroline Q3, ça peut toujours aider. C majuscule, le reste minuscule et le reste en majuscule, il me semble, de toute façon vous essayerez. J'ai donc 8 vêtements, de la veste, je crois qu'il y a un pantalon, une robe longue, mais plus des hauts. Voilà, vous allez voir ça. Plus sympa, je vous montre, on regarde ensemble et je les essaie évidemment et je vous donne mon avis. Et c'est parti. Et bah c'est plutôt pratique, je les ai mises carrément sur mes tables, c'est là où je monte toutes mes boxes. Alors, tout est ici, je n'ai absolument rien ouvert, je vous attendais. Je commence. Oh, déjà il est très doux. Ah oui, alors ça c'est vraiment le genre de truc que je mets tout le temps. Des pulls robes, des robes pulls. Et ça, je mets ça, c'est tellement pratique. La maille de plus près, comme ça. Alors c'est vraiment subtil, hein, on ne voit pas vraiment la peau. Mais il y a des petits trous. À la taille, c'est comme ça. C'est un peu stretch, resserré. Je ne sais même pas du coup si c'est nécessaire de mettre une ceinture. Enfin, tu fais un peu ce que tu veux. Mais c'est très très doux, j'ai pris du 36. Je vous le montre, que vous ayez une vue d'ensemble de l'article et je vais passer. Alors, j'ai pas l'habitude hein, de mettre des cols comme ça, un peu rond. Je me recule, la longueur très correcte, voilà. Je pense que je le porterai avec une ceinture d'ailleurs, attendez. J'ai une ceinture sous le la main, donc ça peut être cool. Ah oui, j'aime bien avec une ceinture, tout de suite. Non? Je le porterai. On va enchaîner avec ceci. C'est un manteau ou une grosse veste. Je suis pas certaine que avec ça, ça passe. Alors. Là, on est sur l'US. Là, tu sens qu'il se passe un truc, que c'est quand même serré. Ah, elle est belle. Elle est très chouette, hein? Là, pareil, resserré, toute une série de boutons. Par exemple, là, le bouton qui est ici, je peux le fermer, mais c'est risqué. Je sens que si je respire un peu trop, on va pas le faire, ça pète. Celui du milieu, c'est bon. Et après, de toute façon, tu peux pas mettre. Elle est jolie, hein. Mais j'ai conscience que c'est pas forcément... Ce serait peut-être plus sympa avec un t-shirt. On enchaîne. Avec ceci, je crois que c'est une robe. Vous voyez? Alors c'est le genre de robe. Vu comme ça, ça ne va absolument pas vous parler. Alors je vous montre. Elle est très agréable. C'est sûr que ça c'est joli quand tu as une poitrine. Il faudrait peut-être plutôt le mettre avec un top. J'aime bien avec des bottes comme ça ou des bottes un peu marron. Eh ben elle est pas vilaine, hein. Mais moi je la mettrais bien avec des colliers en accumulation. Le motif est joli. Hein. On passe à la suite. Ah, ce pull, je crois qu'on voit un peu en transparence, mais je le trouvais très sympa et je l'imaginais comme ça. Donc je suis obligée de remettre un jean, dans un jean justement, juste un côté. Alors évidemment, ce genre de truc, il faut le voir hein, une fois porté, mais il m'a l'air hyper court. Hein. Il est quand même chouette. Et voyez ce que je voulais dire ? Ton jean, tu mets, j'ai mis en dessous un, hein. Parce que là, on est d'accord, sinon on voit le ventre. Tu peux mettre déstructuré d'un côté ou pas, laisser une épaule. Et bah moi j'aime bien le look. Voilà, je valide. Ça va passer direct à la machine, ça aussi. Le suivant, chemise. Oh la couleur, je suis pas sûre que ce soit mes couleurs, ça. C'est un peu marron, un peu... rosé. Ah, il y a quelque chose. Hein. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Bonsoir. La manche, je valide. Je valide cette chemise. Je vais très souvent la mettre. Vous avez vu, c'est légèrement aussi là. Hop, arrondi. On enchaîne. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Je ne sais plus. Attention. Oh. J'adore parce que là, ça va être resserré. Alors, par contre, je pense que je vais retirer ça et je vais mettre autre chose. Parce que l'idée, c'est que ce soit mis en valeur. Et je ne suis pas certaine qu'avec ça, ça soit joli. Pied de poule, si je ne me trompe pas. Alors, je rigole parce que j'ai pas intérêt de grossir. Je n'ai pas le droit de grossir. C'est du 36 et du 36. Hein. Tu sens que tu rigoles un peu trop fort, ça peut sauter. J'avais peur au niveau de la,
qualité, que ce soit pas agréable. C'est très doux. Alors, finition des manches. Ici, très joli. Bon, je ne sais pas si ça se fait encore de remonter le col. Tu mets plutôt comme ça. J'ai laissé le petit débardeur, mais évidemment, on peut mettre autre chose. Au niveau de la longueur, c'est juste en dessous des fesses. Comme ça. J'ai baissé pour que vous ayez un autre angle. Je valide complètement cet article aussi. Très beau. Plus compliqué. Pantalon. Pantalon assez coloré. 1, 2, 3. Pantalon. Les couleurs sont chouettes. Hein. Pantalon fluide avec un élastique au niveau de la taille. Nous avons devant un bouton. En bas, ça finit, donc c'est large. J'aime bien la bande là, orange comme ça. C'est très beau. Nous avons deux poches au niveau des fesses. Et devant, deux poches également. Je réfléchis à comment je vais l'assembler. Et c'est taille S, hein, toujours. Alors, j'avais oublié que j'avais un peu grossi. Donc le 36, niveau pantalon, hein, ne me correspond plus. J'aurais dû prendre 38. Donc je vais pas le garder longtemps parce que je vais le donner. Et à quelqu'un qui fait vraiment du 36, je vous montre. Voilà ce qu'il donne. Portée. Moi, il me sert vraiment au niveau du fessier, on va dire. Mais il est beau, hein, il est très joli. Je l'ai mis avec des chaussures compensées. C'est un petit peu évasé en bas. Voilà. Je vous montre de plus près ce qu'il donne. Il est très sympa. Hyper confortable. On va enchaîner. Hein. Avec ceci. Oublié, trop contente, c'est un impair. Par contre, la matière, on dirait presque du plastique. Il est tout chiffonné. Pourtant, j'adore ça, mais alors là, ça va pas aller. Hein. Mais ça se repasse au moins. Parce que froissé comme il est, piou. Bon. J'aime bien, mais il y a un truc que je ne comprends pas ici. C'est un peu le bazar. Il doit y avoir... Ah non, mais c'est pas possible. Je pense que tu peux le régler, mais du coup, ça fait chelou, là. Bon, bref. Si on enlève le fait que ce soit tout froissé et ça, il faut que j'arrive à me projeter. La couleur, je la voyais un petit peu plus claire. Et la matière, je n'imaginais pas comme ça. La longueur, c'est très bien. Si jamais je ferme, c'est bien. Mais quand même, et très Columbo quoi. Est-ce qu'on apprécie? Là vraiment, je ne sais pas quoi en penser. Et là, ça m'agace ce truc. C'est la matière en plus. Attendez, si tu regardes, il faut que je règle ce problème qui m'agace. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qui lui arrive, petit. T'imagines? Je n'ai pas réussi à résoudre le problème. Je vais étudier la chose parce que c'est pas normal. Ça peut pas faire comme ça. Avec deux trucs comme ça qui pendouillent. Parce qu'en l'état, vous voyez, ça ferait ça. Ou alors, c'est pour que tu puisses t'accrocher. Oh, il y a un truc qui va pas. Bon. Je vous reprends comme ça. Parce que depuis tout à l'heure, j'étais un peu en contre-jour. J'imagine même pas la tête. Quand je vais faire du montage, parce que je vais dire, oh, je refais tout, j'aime pas. Ouais, je sais pas trop là. Parce que j'adore ce genre de manteau. Je trouve ça tellement chouette. En plus, au niveau de la longueur, il est parfait. Bon, on va voir. De toute façon, je vous tiendrai au courant pour les petites languettes. J'espère que ce haul Shein vous aura plu. Moi, ça m'a bien plu. Je vais mettre tout ça au lavage. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.